Ils se parlent. Ils s'entraident. Ils s'adaptent. Ces géants ont une vie dont on ignore tout ou presque. Une vie dans les cimes ou sous nos pieds. Faite de relations intimes et de solidarité. Et même d'intelligence. Nous allons vous raconter leur monde secret. À Hummel, en Allemagne, depuis 30 ans, Peter Wohleben arpente sa forêt de hêtres plusieurs heures par jour. Cet ingénieur forestier n'en finit pas d'être surpris par ce qu'il observe. Et d'abord, les liens entre les arbres, qu'il compare désormais à des personnes. Regardez cet arbre. Ça paraît fou, mais il est connecté à l'autre. Comme un couple d'amoureux, ils prennent soin l'un de l'autre et poussent de façon à ne pas se gêner. Ici, les branches les plus grosses ne vont pas vers son ami, mais dans la direction opposée vers l'extérieur, comme s'ils respectaient l'espace de l'autre. Et au niveau des racines, à l'inverse, ils sont complètement entrelacés, comme s'il ne formait qu'un. Et si l'un des arbres venait à tomber, alors l'autre mourrait très vite ensuite. C'est comme un vieux couple qui a passé sa vie ensemble. Celui qui reste n'a plus envie de vivre. Peter Wohleben n'a pas toujours eu cette tendresse pour les arbres. Au début de sa carrière, il voyait la forêt comme des troncs à abattre. Le bois comme un gagne-pain. Et c'est en croisant des randonneurs que sa vie va changer. J'entendais les gens dire « Tiens, cet arbre est tout tordu, il me ressemble, il me rappelle ma propre vie, il me touche. » Et moi je me disais « Mais comment ils peuvent trouver ça beau? On ne pourra jamais faire de planches avec ça. » Parce que pour moi, les arbres, ce n'était que du bois à exploiter. Mais petit à petit, j'ai appris à regarder vraiment les arbres. J'ai découvert plein de choses. Les 1200 hectares de forêt dont il a la charge deviennent alors pour lui un fabuleux terrain d'exploration. Peter Wohleben comprend que les arbres forment un ensemble vivant, une petite société avec ses couples, ses amis et ses familles. On sait depuis environ 20 ans qu'il y a des arbres mères et que celles-ci allaitent carrément leurs enfants. À travers les racines, ces mères donnent du sucre à leurs petits. Et en plus, de nouvelles recherches réalisées par l'Université de Vancouver au Canada ont révélé que ces mères ne nourrissent pas n'importe quels arbres, seulement leurs propres nourrissons. Elles les reconnaissent grâce à leurs racines. Car au bout, il y a des terminaisons nerveuses qui permettent aux arbres de bien différencier leurs voisins et de se dire « ça c'est un étranger, ça c'est de ma famille, ça c'est un de mes enfants ». Et ce n'est pas tout. Les arbres communiquent entre eux sur de plus longues distances, grâce à un vaste réseau. La preuve, il suffit de soulever quelques feuilles mortes. Alors là, vous voyez, c'est ce que j'appelle l'Internet de la forêt. Regardez ces filaments blancs, ce sont des champignons. Il y en a partout dans la forêt. C'est ça qui relie les arbres entre eux. Et à travers ce réseau, ils échangent des informations qui leur permettent, par exemple, de se préparer en cas d'attaque. Un réseau qui, pour lui, prouve à nouveau l'intelligence de ces arbres, capable de suivre une stratégie.
Lorsqu'un animal commence à manger des feuilles, l'arbre attaqué envoie immédiatement un signal, une impulsion électrique qui se répand à la vitesse d'un centimètre par minute. Grâce aux racines et à ce réseau de champignons, le message se diffuse aux arbres alentours. Lorsqu'ils reçoivent cette alerte, ils comprennent le danger et fabriquent des anticorps. Un tanin amer qui rend leurs propres feuilles immangeables. L'animal finira par se détourner face à cette défense organisée. Et à part ces messages d'alerte, est-ce que les arbres échangent d'autres informations grâce à ce réseau ? Ça, on ne le sait pas encore précisément, mais on a commencé à décoder un certain nombre de messages qu'ils échangent entre eux. Pour l'instant, nous ne travaillons que sur ce qu'ils se disent quand ils sont stressés. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est de savoir ce qu'ils peuvent bien se raconter quand ils se sentent bien. Moi, je rêve d'avoir un dictionnaire complet. Peter Wolleben a raconté son émerveillement dans un livre à succès. Un récit qui s'appuie sur d'incroyables découvertes scientifiques. En France, à Clermont-Ferrand, un laboratoire a décidé d'étudier les arbres et les plantes sous un jour nouveau. Bruno Moulia et son équipe veulent démontrer que les arbres sont dotés d'une sensibilité méconnue, qu'ils ont des sens, comme les hommes, à commencer par le toucher. Donc voilà, j'ai la plante là, le câble. Démonstration avec ce jeune peuplier de 4 mois. Installé dans les petits ergots. Toutes les 30 secondes, il va recevoir un petit coup d'air. Ce qu'on essaye de voir, c'est comment il sent le vent. Donc on a créé ce dispositif expérimental là, qui permet d'envoyer des petites impulsions de vent. De quoi permettre aux chercheurs de mesurer la façon dont la plante réagit. Ça dépend des angles en fait. Ah oui, oui, bah oui, oui. Elle va changer sa croissance en hauteur. Elle va changer sa croissance en diamètre. Donc là, en l'occurrence, elle va se faire un peu moins haute, un peu plus grosse, trapue. Et elle va aussi s'ancrer plus fortement. Donc nous, ce qu'on a étudié, c'est vraiment démontrer que c'est une vraie perception, c'est-à-dire qu'elle a un sens, qui est chez nous le sens du toucher, qui lui permet à elle surtout de savoir s'il y a du vent ou pas. Ah, le champ, il est assez large. Là, un sens de l'adaptation qui se voit à l'œil nu quelques semaines plus tard. 12, 4. Le tronc s'est épaissi, il s'est renforcé. 13, 2. L'arbre est désormais mieux armé que son clone, resté, lui, à l'abri du vent. Si on imagine qu'il y a un petit coup de vent, les deux là, c'est un peu comme un coup de vent. Si je les lâche, vous allez voir que celle-ci va beaucoup plus vite que celle-ci. Celle-ci est plus lente. Et en fait, elle s'arrête beaucoup plus vite. Et ça, c'est la résultante de toute cette croissance différente entre celles qui ont senti le vent et celles qui ne l'ont pas senti. Et ça a des conséquences à l'extérieur, hein, c'est-à-dire que du coup, celle-ci sera beaucoup plus résistante au vent que celle-ci. Si je les sors, celle-ci, probablement, elle va être cassée assez vite. Conclusion, l'arbre perçoit, analyse, calcule et s'adapte. Bon, alors ici, en fait, ce qu'on fait, c'est des nouvelles pistes de recherche qu'on a. Dans cette pièce, les scientifiques mesurent cette fois l'activité électrique de la plante, son influx nerveux. Une électrode sur une tige, une autre dans le sol, pour comprendre comment les informations circulent. Comme un être humain, la plante passe un électroencéphalogramme. On peut peut-être essayer de fléchir cette feuille, là. Ah oui, voilà. Là, oui. La plante réagit instantanément. On voit ici qu'elle a perçu un signal
qui veut dire qu'elle a senti la flexion et qu'elle a envoyé un message dans l'ensemble de la plante, dans tous ses organes. C'est comme nous quand on se cogne, quand on tape ici sur notre main, eh bien, il y a un message qui monte au cerveau et qui nous fait percevoir la sensation. Chez le Mimosa pudica, les impulsions électriques donnent des réactions spectaculaires. Des réflexes, un système nerveux. La plante serait-elle dotée d'un cerveau ? Ce n'est pas une nécessité. C'est-à-dire que peut-être qu'en général, les plantes, elles sont beaucoup plus diffuses. Donc elles ont probablement un traitement de l'ensemble, sur l'ensemble de la plante. C'est peut-être l'ensemble de la plante qui est le cerveau. Mais leur plus grande découverte, c'est que les arbres ont conscience de leur propre corps. Tout est parti d'une question simple. Comment se tiennent-ils droits ? Jusqu'à présent, les chercheurs pensaient que les arbres gardaient l'équilibre parce qu'ils étaient à la fois attirés par la lumière et retenus par la gravité. Mais il y a autre chose. Les scientifiques l'ont découvert en privant de petits arbres de lumière et en les plaçant en apesanteur dans cette machine. Ici, c'est des jeunes arbres qu'on fait tourner sur eux-mêmes autour de l'horizontale doucement. Et alors, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on leur fait perdre le sens d'où est le haut et le bas. Ils ne peuvent plus sentir la gravité terrestre. Et malgré tout, les arbres continuent de pousser droit. C'est surprenant, en fait, parce que ça veut dire que quand elles n'ont aucun élément d'orientation, pas de lumière, pas de perception de la gravité, elles sont capables maintenant de percevoir leur propre corps et de s'aligner sur lui, de rester droite. Et donc ça, nous a permis de faire la découverte d'un nouveau sens, un sens qu'on a chez les hommes, qu'on appelle la proprioception, le sens de la forme du corps propre. Un arbre, ça pousse d'un côté, une branche est poussée de l'autre, ils ont des fruits, comment ils font ? Eh bien en fait, ils sont sans arrêt en train de rectifier, de percevoir et de se maintenir droit. Et donc tout ce mouvement qu'on a tout le temps, qu'on fait nous aussi, hein, pour, quand je me tiens devant vous ainsi, je passe mon temps à rectifier ma position, en fait, inconsciemment. Ben, les arbres font de même. Adaptation qui apparaît sur ces images. 10 heures de croissance en accéléré. L'arbre réajuste sa position pour rester droit en même temps qu'il pousse. De quoi changer radicalement notre regard sur la forêt. Bruno Moulia et Catherine Laine ont mené ces recherches ensemble. Aujourd'hui encore, leur découverte les fascine. Il y en a deux là qui sont bien inclinés dans la pente et qui ont déjà un certain âge. Ah oui. Je le trouve très beau parce qu'on a presque l'impression qu'ils rampent, puis tout d'un coup ils se redressent. Ah oui, c'est stabilisé en touchant le sol en fait. Il était vraiment très incliné. Hein. Ouais. Cela peut paraître étrange. Mais si ces arbres bougent, c'est grâce à une forme de muscle. Il y a quelques mois, Catherine Laine a récupéré ce rondin de bois, issu d'un pin meurtri par la tempête de 1999. On voit des choses... Chaque cerne représente une année de croissance. Là, j'ai 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je peux remonter. Si je prends le temps de compter, je vais aboutir ici, à l'année 2000, sur ce cerne-là. Et le cerne d'avant, qui est très différent, c'est l'année 1999. Donc il était parfaitement droit ici. La tempête, tout d'un coup, l'a incliné. Et le bois, il s'est mis à fabriquer un bois différent de ce qu'il faisait avant. Et ce bois-là, ce sont ses muscles. C'est ce bois-là qui va le redresser, lui permettre de revenir à la verticale. Aujourd'hui, les résultats de leurs recherches font autorité. Après 15 ans d'expérience, le laboratoire de Clermont-Ferrand est enfin pris au sérieux. C'est un nouveau monde que la science nous révèle.
à Paris, les arbres font désormais l'objet d'une attention particulière. Au service des espaces verts, il existe un drôle de métier, docteur des arbres. Depuis 7 ans, Béatrice Rizzo, ingénieure agronome, parcourt la capitale au chevet des centenaires malades ou fragiles. Ce matin-là, elle a été appelée au sujet d'un marronnier. Salut Alain. Bonjour Béatrice. Salut. Salut. L'arbre semble en bonne santé, mais l'une des branches a cassé. Alors dis-moi, il avait cassé où? Alors, je vois pas. Il a perdu une charpentière de l'autre côté. Ouais, que je regarde la profondeur du truc. Ici, il y avait une branche énorme, 1,35 m de circonférence, juste au-dessus d'une aire de jeu. Par chance, elle est tombée sur la grille, de l'autre côté. Ça, c'est les dégâts de la chute. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et personne sur le trottoir, là. L'examen commence. Si l'arbre est en réalité malade et dangereux, le centre est là. Il sera abattu. Les cernes, ils sont plus serrés au-dessus qu'en dessous. Donc, les cernes, en haut, elles sont super fines. En haut, elles sont fines et là, elles sont plus grosses. Mais voilà, mais ça, c'est pas normal. Il y a quelques années, cette branche plus grosse que les autres avait paru menaçante. Les services de la ville, comme souvent à l'époque, l'avaient attachée avec des câbles. Erreur. Ils n'imaginaient pas que l'arbre était assez intelligent pour la soutenir tout seul. C'est l'intervention des hommes qui le rend fragile. Si on avait confiance en son côté vivant, à se consolider lui-même, à ressentir lui-même ses contraintes et à compenser, il y aurait peut-être moins de soucis. Je crois que c'est son petit malheur, c'est qu'il a été retenu, puis on l'a relâché. Eh bien, ça ne tient pas. Ça a cassé. En ville, les arbres sont mis à rude épreuve. Parasites, pollution, béton. Pour survivre, là aussi, ils font preuve d'une capacité d'adaptation hors norme. Comme ces deux platanes en bord de Seine. Béatrice Rizzo les a sauvés de l'abattage. Eux aussi avaient été mal évalués. Des poutres métalliques avaient été installées comme des béquilles parce que les arbres penchaient. Alors celui-là est le deuxième sujet conservé. Alors effectivement, il est massif, il est grand, hein, c'est un arbre ancien. C'est pour ça que je tenais absolument aussi à le garder parce que à Paris, on les compte, nos arbres anciens. Il a quel âge, à préserver, oh, il est pas loin de 150 ans. Non seulement bon, il est heureux parce qu'il est libéré de sa poutre et qu'il est appliqué, qu'il est blessé au niveau du tronc, mais en plus de ça, je pense qu'il est en train de secourir un qui a dû être abattu ici et dont il reste la souche. Comme en forêt, les arbres ici sont solidaires. Ils se nourrissent les uns les autres. Certainement que les racines sont alimentées par le sujet voisin vivant. Donc, il y a tout à imaginer que ce grand arbre-là, est en train de nourrir et de réveiller la souche et en nourrissant ces magnifiques rejets ici, qui sont pleins d'avenir. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va en sélectionner un qui va prendre le relais de la souche qui est morte. Cette résurrection, c'est le miracle des racines. Dans les profondeurs de la ville, elles vont chercher la moindre goutte d'eau, le long des conduites d'évacuation. Parfois même à l'intérieur, ou carrément en ceinturant la moindre tuyauterie. Prendre soin des arbres, les respecter, les comprendre. En Occident, c'est une révolution. Au Japon, c'est une évidence. Pays des mégapoles, mais aussi de l'arbre sacré. Bouddhistes, shintoïstes, animistes, tous considèrent l'arbre comme doté d'incroyables pouvoirs. Non loin de Tokyo, ces randonneurs,
pour à peine 10 euros, vont marcher 3 heures, accompagnés de guides formés à la thérapie forestière. Ah, il fait chaud. On a fait un quart de la randonnée. Et c'est juste le début. Pour nous, ce qui compte, c'est surtout d'être là, immergé dans la nature, dans la forêt. On a tellement perdu l'habitude d'en profiter. Parce qu'ici, on prend l'énergie des arbres. Grâce aux phytoncides. C'est ça qui compte. Les phytoncides. Ces molécules émanent des feuilles et des aiguilles des arbres. Elles nous tombent dessus lorsque l'on marche en forêt. Invisibles, elles pénètrent par la peau et les voies respiratoires. Des particules bienfaitrices capables de renforcer nos défenses immunitaires. Ma circulation sanguine est meilleure. Et je le vois avec la couleur de mes lèvres. Avant, je n'étais pas très en forme. Elles étaient bleues. Maintenant, elles sont redevenues roses. Tout le monde me le dit. En fin de parcours, au sommet de la montagne, il reste un dernier rituel à observer, à côté du temple. On va se servir des arbres qui sont derrière moi. On va les enlacer. On n'entendra peut-être pas l'eau qui circule dans le tronc, mais on va essayer de ressentir les énergies de l'arbre. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti enfant, quand vous jouiez avec les arbres. Faites appel à vos souvenirs d'enfants. Essayez de communiquer avec les arbres, d'entrer en contact avec eux. Un contact comme pour se nourrir de leur sagesse et de leur surprenante sensibilité. Les scientifiques qui ont découvert ce monde secret en sont convaincus. Au Japon, en Allemagne, en France ou ailleurs, les arbres ont encore beaucoup de choses à nous dire. À nous de savoir enfin les écouter.